wesh wesh que la pêche. Bah quoi, j'ai plus d'inspi pour mes intros, donc du coup je copie ceux des autres youtubeurs. Plus sérieusement, salut à tous, c'est Joulefeu, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, en compagnie de moi-même. Aujourd'hui, on se retrouve sur la survie hardcore YouTube numéro 1. À l'heure où je tourne la vidéo, la 1.17 est enfin arrivée. Donc je vais vous dire un peu plus en détail le planning d'aujourd'hui. Alors en premier, on va faire l'aménagement du spawner. Après, on va build un peu l'extérieur de la base, faire des champs, des plantations et tout ça. Et aussi des enclos. Et si jamais on a le temps, on va aller miner et explorer la faille qu'on avait trouvée à l'épisode 3. Avant de faire tout ça, je vais juste quand même récupérer un peu de la canne à sucre. J'ai pris 2 seaux d'eau pour faire une source d'eau infinie là-bas. Car on va avoir besoin de beaucoup de sources d'eau infinie. Il y a un creeper. Peur. Je n'ai pas compris la blague, c'est creeper. Donc du coup j'ai crié peur. Ne me dis pas qu'on a plus de bois. Est-ce qu'on va encore faire le rituel du début d'épisode où on va faire un timelapse où je coupe des arbres? Ah non. Oh c'est pas grave, c'est en tronc de boulot. Comme ça, ça nous fera du boulot en plus. Oui bon, faut que j'arrête avec mes blagues de merde moi. Ah ouais, c'est vrai, ils ont changé les textures. Trop stylé. Attends, y a pas du fer quelque part? Ah ouais, attendez. Maintenant, on peut dupliquer le fer en les minant avec du fortune. Car c'est plus des minerais de base, c'est des minerais bruts. Je vous mettrai dans le petit une vidéo qui vous expliquera toutes les nouveautés qu'il y a dans cette version. Il devrait aussi rajouter genre un outil qui permettrait de récupérer les spawners. Enfin, pas genre... j'en ai un. Plutôt ah par contre je sais pas si on peut récupérer les... Tu veux quoi toi? Hop là. Je sais pas si jamais avec des cadets on peut récupérer les trucs là. Ouais je sais, c'est précis. Ah. Oh stylé la texture de la redstone. Oh purée, mais meilleure version ever. Meilleure version ever. Par contre, je sais pas si jamais les grottes qu'on a déjà explorées, ça génère genre de la deep slate, tous les trucs comme ça. What? Ah mais Minecraft c'est vraiment buggé hein. Ah bah voilà, encore une autre torche buggée. Ok. Ah je pense que c'est quand tu casses le bloc de gravier en même... Mais vraiment au tic près. Vraiment en même temps. Et ben ça considère comme un bloc, ça bug.
Ça considère que c'est le bloc de gravier, du coup, ça se casse pas. C'est comme ça, bon, comme ça, puis comme ça, comme ça, comme ça. Bon, tant pis, c'est pas très efficace. Ça fait un peu des montagnes russes, mais bon, c'est pas grave. On fait ce qu'on a. Alors, oui, bon, ça spawn bien. Donc, là, normalement, on prend pas de dégâts.
Ah merde, par contre, faudrait juste faire ça. Récupérer les trucs. Au puissance 2, repoussoir 1, nice. Ah, bah, et mon arc, il est puissance 2. Ça fait du puissance 3. Donc, 4 ou 6. Bah, 4, ok. Puissance 3, repoussoir 1. Donc, je pourrais me craft des livres. Du lapis. Ah oui, j'en ai que 5. Ok, de la merde, ouais. Elle est là, hop. Hop, hop. J'ai de l'eau, j'ai une faux. En disant aménagement de l'extérieur de la base, c'est plus de faire des champs et faire un enclos à vaches. Parce que là, clairement, 3 steaks, c'est un peu la dèche. Des marguerites. Ça sert pour faire des potions suspectes. Si vous savez pas ce que c'est, ça donne soit régénération, soit poison, soit blindness, soit truc nocturne. Ça dépend des fleurs. Les fleurs, je pense que c'est régénération. Et vous doutez bien, c'est ultra OP, n'est-ce pas? Parce que entre les pommes dorées, chair en or et chair en gapple, alors que les marguerites, mes mecs, tu en trouves partout. Des coups de bonne mine, on en a fini grâce au truc au spawner. Donc juste une ferme à champignons et c'est bon. J'espère que c'est cette fleur là qui donne régénération. Car j'ai pas envie d'apprendre que c'est pas du tout ça en ayant poison. Ah bah notre première graine. Hop. Oh, 3 graines. Et hop là. Mais attends, j'y pense, mais une blé ça peut nous servir à faire du pain. Bon, je regarde quand même un peu pour les vaches. Donc là, je vais vraiment faire une déco d'enfer. Vous allez voir ce que je vais faire. Hop. Puis après, full dalle. J'ai déjà fait ça sur une survie avec des amis. Et c'est très utile en tout cas. Ah ouais, c'est vrai. Il en faut 8 et pas 4. Par contre, j'espère que je vais avoir assez de bois. What? Ah mais oh, encore une fois, cette porte qui se fait bolos. Voilà. Attends, mais j'en ai déjà une là. Bon, en vrai, je la combine. Je vais la combiner. Solidité. Efficacité. Hop, solidité, efficacité. Quand on saute, ben, on casse pas les autres herbes. Bon, bah, ben, moi, je vais aller couper des arbres. Et ben voilà, c'est terminé. Et la faille, elle est là. Un glow squid, un des nouveaux mobs de la 1.17. C'est pas possible. Il y a de la lave, faut que je tombe dedans. Alors ouais voilà, je me balade ici. Oh non, il y a pas de diamant et tout ça. Hello there. Sérieusement. Il était visible. Attends, mais je suis sûr que c'est juste à côté du spawner. Bon, il y en avait qu'un. Mais il y avait quand même du diamant.
Ah. Bon, tant pis, je vais faire là. Je vais pas le récupérer car j'ai plus de pioche. Du coup, je vais vous montrer les blocs. Ah, et pour info, on peut pas les faire chauffer. Donc voilà, le bloc d'or brut et le bloc de fer brut. Moi, je trouve ça ressemble un peu à un tas de pièces d'or. C'est un autre coffre parce que l'autre il est rempli. Hop et hop, je les enchante. Du protection. Je mets du chute amorti. Ah bah, du protection pour les bottes. Du tranchant. Efficacité. Un autre niveau efficacité. Et du protection. J'ai vraiment plus un seul level. Quoi, j'ai plus de corps? C'est bizarre. Ah bah si, j'en ai ici. J'étais ici. Je pense à 4 de plus. Ah bah, et résultat, ça me donne des levels. Je refais une nouvelle pioche. Hop, efficacité 2. Quasiment tous mes cachets de sucre, ils ont poussé. Ouais, j'ai vraiment récupéré plein de fer. J'ai 6 livres. Et j'ai plus de niveau. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si le contenu de la chaîne vous intéresse, et à activer la cloche de notification si vous ne voulez rater aucune de mes vidéos. A bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Joulefeu. Ciao, ciao. I will leave the light on. 'Cause I will leave the light on.